Regardez cette ville. Elle ressemble à la nôtre. Cliquez sur le parchemin d'or. Villageois vont bientôt avoir besoin de nourriture, patron. La main au-dessus du champ, cliquez et gardez le bouton action enfoncé pour ramasser du grain. Lorsque vous aurez récolté 200 unités de grain, déposez-le ou jetez-le dans l'entrepôt. Ah, nous avons assez de nourriture. Il faut mettre nos gars au boulot si on veut tout reconstruire, Boss. Vous pouvez transformer un villageois en disciple pour qu'il effectue une tâche précise. Ramassez un villageois, puis déposez-le dans un champ. Ces fermiers peuvent maintenant se débrouiller tout seuls, Boss. Il faudrait du bois pour que les villageois puissent construire et étendre la ville. Arrachez un arbre à la main, puis lâchez-le dans l'entrepôt. Mettez ça dans l'entrepôt. Il n'y a pas assez de bois. Ajoutez.
nous aurions bien besoin de disciples forestiers pour ramasser du bois à notre place. Ramassez un villageois et déposez-le près d'un arbre pour en faire un disciple forestier. Créez un total de 3 forestiers. Créez 2 disciples forestiers. L'industrie du bois est en plein boom. Passe. Les statues de l'hôtel de ville symbolisent les désirs des habitants. Ceci vous indique le type de bâtiment que les habitants désirent le plus actuellement. Assurer le bonheur de la population, c'est important. Cette statue porte du grain. Les gens aimeraient donc plus de nourriture. S'ils voulaient du bois ou du minerai, ils le feraient savoir de la même manière. Surveillez donc bien ces statues. La hauteur du socle représente la force de votre alignement, qu'il soit bon ou mauvais. Au sommet, vous verrez jaillir une fontaine ou une flamme, selon que vous accomplissez de bonnes ou de mauvaises actions. Peu à peu, la cité évoluera et reflètera votre attitude. Cette statue vous informe sur les désirs de la population. Gardez toujours un œil sur sa taille, car elle représente le degré d'urgence du besoin. Ce parchemin contient des informations sur le prestige de votre cité, sa population et le moral des habitants. Pensez à le consulter régulièrement. Placez votre main sur une statue et ne bougez plus pour obtenir plus de détails. La population désire des maisons. Placez votre main sur le bâtiment qui tourne, puis cliquez et gardez le bouton Action enfoncé. Nous aurons besoin de bâtiments et de nourriture pour entretenir une puissante armée. C'est bien. Encore un peu. On peut accélérer les choses en ramassant un arbre et en le lâchant au-dessus du chantier. Il est également possible de tirer un plan depuis une maison existante. Placez votre main sur la maison déjà construite. Gardez le bouton action enfoncé, puis tirez la souris pour obtenir un plan. Si vous désirez annuler une action ou vider votre main, secouez-la rapidement de gauche à droite. Vous voyez ce tas de bois? Vos villageois vont s'en servir pour bâtir la maison. Nous pouvons également créer des disciples bâtisseurs pour faciliter la construction de notre cité. Déposez un villageois près d'une maison en construction pour en créer un. Créez 3 disciples bâtisseurs. Vous devez créer un disciple reproducteur. Thank you.
Vous devez créer un disciple reproducteur. La maison est terminée. Regardez comme les villageois sont heureux. Non, ce n'est pas un disciple bâtisseur. Non, ce n'est pas un disciple bâtisseur. Créer deux disciples bâtisseurs. Excellent! Nous avons tout un groupe de bâtisseurs! Vous pouvez participer à la construction des bâtiments? Le coup de pouce divin! Il vous suffit effectivement de récolter les ressources dont le bâtiment a besoin. Placez votre main au-dessus du bâtiment, puis gardez le bouton action enfoncé. C'est très pratique, mais cela entraîne hélas une perte de ressources. Vous avez bâti suffisamment de maisons. Bien! Il en faudrait deux autres pour satisfaire les besoins du village. Nous devons aider la population à se multiplier. C'est un sujet un peu embarrassant. Pourquoi? On m'a parlé de reproduction, boss! Crac, crac! T'as entendu le pudibond? Trois reproducteurs devraient suffire pour les besoins actuels du village. Déposez un homme ou une femme près d'un individu du sexe opposé. Cela en fera des disciples reproducteurs. Vous devez créer un disciple reproducteur. Merveilleux! Vous avez créé suffisamment de reproducteurs. Vos disciples continueront éternellement le même travail tant que vous ne leur en attribuez pas d'autres. Nous devons vraiment augmenter la population. Avec ces reproducteurs, nous n'aurons pas de mal à atteindre les 75 villageois. Cliquez sur le parchemin d'or pour apprendre à utiliser la barre d'outils.
bien. Ouvrons la barre d'outils. Vous voyez, il y a un drapeau en bas à gauche de l'écran. Hé, c'est quoi ce machin? C'est la barre d'outils. Bien. Cliquez à nouveau pour la fermer. À nouveau, ouvrez-la. La barre d'outils contient tout un tas de menus. Ces onglets permettent d'accéder aux différents menus. Pour l'instant, c'est l'onglet de construction qui est sélectionné. C'est donc le menu construction qui est affiché. Chaque menu est divisé en sous-menus. Nous allons vous montrer comment accéder aux fonctions évoluées. Appuyez sur F4 pour afficher le menu offrande. C'est le menu le plus cool! Les points d'offrande sont une monnaie d'échange. Ils permettent d'acquérir des tas de choses, comme de nouveaux bâtiments. Vous pouvez améliorer vos pouvoirs divins ou obtenir de nouveaux types de constructions pour la ville. Vous gagnez des points d'offrande en terminant des épreuves ou en accomplissant des exploits. Vous avez plein de points d'offrande en ce moment. Suffisamment pour acheter un temple. Vous pouvez à présent bâtir un temple. Oh, c'est une sacrée bonne chose. Votre ville n'en sera que plus impressionnante. Sélectionnez le temple dans le menu construction. Placez-le ensuite dans votre ville. Certains bâtiments nécessitent du minerai lors de leur construction. Il existe deux sources de minerai. Tout d'abord, les gisements de minerai. Les gisements de minerai peuvent être exploités par les villageois. Il y a également du minerai brut. Les villageois peuvent le ramasser, mais pour gagner du temps, vous pouvez l'ajouter vous-même à l'entrepôt. Les choses avec le coup de pouce divin. Ramassez du bois ou du minerai. Placez votre main au-dessus du temple. Gardez le bouton action enfoncé pour participer à la construction du bâtiment. Si vous bâtissez une cité attirante, les gens viendront de très loin pour y vivre. Les bâtiments municipaux sont le meilleur moyen de rendre une cité impressionnante. Personne ne souffre et nous gagnons des adorateurs qui nous rendent plus puissants. Regardez, ces gens sont en train de migrer. Ils désirent vivre dans notre ville. Ils amènent toutes leurs possessions. Hurrah! Les autres tribus viendront de très loin pour vivre dans notre belle cité. Nous vaincrons nos adversaires par la finesse.
puissant. Naissance. Ces gens veulent s'installer dans notre ville. Ramassez leur drapeau de migration et plantez-le quelque part dans votre zone d'influence. Ramassez leur drapeau de migration et plantez-le quelque part dans votre zone d'influence. Naissance. Oh, merci. Merci, Seigneur, de nous accueillir dans votre ville magnifique. Naissance. Naissance. Les garnisons permettent d'entraîner des guerriers. Les guerriers peuvent conquérir les villes et les royaumes par la force! Acheter la garnison est la première étape de la constitution d'une armée. Sélectionnez le menu offrande. Ah, un temple! Pourquoi construire ça quand on peut construire une garnison, mauviette? Sélectionnez la garnison dans le menu construction. Ensuite, placez-la dans votre ville. Naissance. Oh, ça me plaît, ça! Les guerriers forment des escadrons. Ils sont recrutés en utilisant les drapeaux de la garnison. Ramassez un drapeau sur la garnison, puis plantez-le dans la zone en surbrillance.
Naissance. Poser un drapeau lance la création d'un escadron standard. Pour créer un escadron de plus grande taille, il faut garder le bouton action enfoncé et éloigner la main du drapeau. Naissance. Les armées, c'est le top, mais il faut les garder sous contrôle. Vous devez donc apprendre à vous servir des drapeaux. Chaque escadron dispose d'un drapeau. Il se trouve au-dessus des hommes de l'armée, mais aussi en bas à droite de l'écran. Vous pouvez aisément reconnaître chaque escadron par la couleur et le symbole de son drapeau. Celui-ci est un escadron de soldats. Les drapeaux vous permettent de connaître le niveau d'un escadron. Les petits points en haut indiquent son rang, de la bleusaille au vétéran. Cliquez sur un des drapeaux en bas à droite avec le bouton action pour prendre le contrôle d'un escadron. Cliquez sur un drapeau avec le bouton déplacement pour centrer la vue sur l'escadron. Voilà, voilà, vous connaissez les bases à propos des drapeaux. Boss, ramassez le drapeau de l'escadron. On y va au plus vite! Parfait! Cliquez sur la zone en surbrillance pour leur ordonner d'avancer. Ok, boss! Un peu d'action maintenant! Prenez le drapeau de l'escadron, puis cliquez sur l'hôtel de ville ennemi. Cela donnera l'ordre à vos troupes de partir aussitôt à l'assaut. C'est parti! Les guerriers mangent beaucoup. En fait, deux fois plus que les autres. Surveillez donc de près vos réserves. N'est pas une fatalité, patron. Impressionner ces gens fonctionne aussi bien. We'll be right back.
meilleur pour notre machine de guerre. Ouais, cette ville est à vous désormais. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le cercle d'influence vert, comme à la maison Boss. L'attaque est la meilleure défense. Envoyez vos armées au combat. Un escadron commence sa carrière au niveau 1. Au fil des combats, il gagne de l'expérience. Quand l'escadron accumule suffisamment d'expérience, il passe au niveau supérieur. Ce qui améliore notamment ses compétences de combat et sa vitesse. Si vous désirez dissoudre un escadron, plantez son drapeau sur la garnison. Le reste se fera tout seul. Voilà comment on gagne, en prenant les autres villes par la force. Impressionner les habitants de ces villes marche aussi. La guerre résout tous les problèmes. Au fait, patron, si vous voulez, vous pouvez gagner en combinant les deux méthodes. Eh oui, le temps de l'innocence touche à sa fin. L'heure est venue de faire un premier pas vers le bien ou le mal. La guerre, c'est le mal. Et je suis le mal. Vous voyez où je veux en venir? Il faut faire un choix, boss. Hey, notre créature se réveille. Quitter l'enclos. Utilisons la laisse pour l'obliger à bouger. Pour rattraper la laisse, cliquez. Cela fait trop longtemps qu'elle est dans son enclos. Faites-la un petit peu sortir. Excellent. Une fois votre créature en laisse, vous pouvez la déplacer et lui faire accomplir des choses. Ouais, c'est important ça. La faire obéir. Bien joué! Vous avez compris comment déplacer votre créature. La créature a faim. Trouvons-lui à manger. Tout en ayant la laisse en main, cliquez sur le champ.